Mesdames et messieurs, Dolores O'Riordan de Cranberry. Merci, merci. Thank you very much. It's good to be here. So, vous avez, je crois, fait une pause pendant 3 ans consécutive à un surmenage. Et vous revenez avec, d'abord, il y a eu un album au titre très matinal, Wake Up and Smell the Coffee. This is a good idea. And then there is this album, Stars, où c'est le principe d'une compilation d'un groupe qui a vendu 33 millions d'albums dans le monde. Ok. Yeah, thanks. Merci. C'est toujours mieux de chanter en anglais. Ah, c'est sûr que c'est plus international. Quel regard portez-vous sur toutes ces chansons quand vous les rassemblez? Est-ce que c'est vous qui faites le choix, le groupe, ou bien c'est la maison de disques qui décide? C'est un voyage de ma vie. J'écris toutes les chansons. So it's a voyage, a journey of your life. C'est une aventure, en fait. C'est un voyage. Et la plupart des chansons sont, en fait, autobiographiques. Elles sont basées sur mes expériences. Et j'ai commencé, en fait, quand j'étais à l'école, la première chanson que j'ai écrite était Linger. Et lorsque je l'entends maintenant, ça me rappelle un petit peu ma jeunesse, mon adolescence. Et Zombie me fait penser à vraiment ce qu'on était à l'époque, nous. Et ça me rappelle un petit peu les hôtels, les chambres d'hôtel. Et maintenant, nous sommes à un point vraiment agréable dans notre vie, où on peut vraiment travailler au quotidien et en profiter, vraiment profiter de notre groupe. On travaille un peu, mais on joue aussi un peu. Nous avons des enfants, nous avons des familles, et nous en profitons plus, bien plus que par le passé. Et on a appelé cet album Stars parce que c'est une époque merveilleuse dans notre vie. Et les étoiles sont toujours là, dans le ciel, malgré toutes vos pérégrinations. Et puis c'est un bilan, en fait. C'est un petit peu un bilan, vous voyez, parce que là, dans le livret, nous avons toutes les couvertures de magazines, toutes les pochettes, les concerts. C'est un petit peu... C'est des souvenirs. Regardez, ça c'est bien. Il y a cette photo. Moi, enceinte, voyez-vous ici? Dolores enceinte. Avec le bambi, non? Est-ce que le... Et Mike avec un gueule de bois. Mais est-ce que c'est pas justement la maternité qui vous donne cette maturité qui semble être la vôtre? Oui, ça change vraiment votre perspective. Changer l'attitude vers la vie, whatever life becomes like. La vie, en fait, est plus grande. Des autres choses dans la vie, maintenant, now I never get worried or nervous. Maintenant, je ne m'inquiète jamais. Je ne suis jamais anxieuse ni stressée. Ça m'a beaucoup relaxée d'avoir des enfants. Parce que au départ, est-ce que vous avez avec les Cranberries connu la rock'n'roll attitude dans les tournées? Est-ce que vous êtes comporté comme les rockstars, ou bien est-ce que vous avez toujours été les pieds sur terre, extrêmement mère de famille déjà avant de l'être? Vous savez, on a essayé vraiment de garder les pieds sur terre autant que possible. Mais au bout du compte, en fait, on ne fait plus des choses du quotidien lorsque vous êtes un grand groupe. On ne fait pas son linge, par exemple, on ne porte pas son propre passeport. Et des choses comme ça. Donc on arrive à un stade dans sa vie où c'est comme si on était un enfant, encore une fois. Les gens font des choses pour vous, beaucoup. Et ça enlève beaucoup de stress. Et peut-être que les rockstars, effectivement, se comportent ainsi parce qu'elles oublient de faire des choses simples. Il est important, donc, de prendre une pause, de rentrer chez soi. Et en fait, de voir comment cette vie au quotidien, changer les couches et ainsi de suite, se passe. Comme ça, vous gardez votre tête normale et vous restez humain. C'est peut-être comme ça que Mick Jagger a tenu si longtemps, justement, cette vie de bon père de famille. Yeah. Tout de suite, faut-il poser des questions essentielles? Ce disque des titres inédits, dont un qu'on va écouter tout de suite, qui s'intitule New New York, Elisabeth. Alors,
C'est un, on le voit, un son qui est un peu noisy, très grunge. Est-ce que ce titre, New New York... Je connais tous les expressions jeunes, lui. Oh, bah, non, mais c'est vrai que c'est... Noisy, bruyant, avec des guitares, un peu heavy metal, quoi, métallique. Heavy metal, ah bah là, je comprends. Heavy metal, ah bah oui, bon, et je voulais savoir si ce titre, bien sûr, avait quelque chose à voir avec ce qui est arrivé le 11 septembre 2001 à New York. Well, it was actually en fait, c'était le 2 juin. Nous sommes allés à New York et c'était deux jours après Ground Zero, en fait, lorsque tous les pompiers étaient partis. Et donc, en fait, ceux qui avaient connu des êtres aimés qui avaient disparu, c'était la fin de quelque chose, en fait, cet événement. Et puis, on voulait se souvenir des amis, de la famille. On voulait faire donc une performance. Et j'ai parlé à un certain nombre de personnes et je me suis rendu compte que New York ne serait jamais pareil. L'Amérique non plus d'ailleurs. Donc je suis rentrée à l'hôtel et j'ai commencé à écrire cette chanson. Parce qu'il y a une certaine colère, bien sûr. On se sent en colère, mais il faut avoir beaucoup d'espoir aussi. Parce que les êtres humains, bien sûr, sont plein de colère parce qu'il faut continuer à se battre, il y a cette révolution, mais il faut avoir l'espoir pour la paix. Donc il y a cette colère, mais par la même occasion, on se dit peut-être que les plaies peuvent être pansées et on peut continuer à aller de l'avant. Et peut-être qu'on pourra pas oublier, mais continuer à aller de l'avant, vers les lendemains. Et c'est aussi une chose étonnante sur le disque. Je ne sais pas si ça se fait souvent, mais vous avez fait voter les fans du groupe pour choisir un titre qui ne soit pas un single. Et ils ont choisi Daffodil Lament. Yes, sur l'internet. Mais vous croyez en la démocratie en art ou bien c'est du marketing ou c'est simplement parce que vous avez envie d'être en contact direct avec les fans du groupe? Les trois. I believe in democracy. C'est pas à vous que je pose la question. Je crois en la démocratie. C'est très important pour un groupe comme The Cranberries de savoir qui sont leurs fans et d'avoir ce contact direct avec eux sans arrêt, parce que pendant de nombreuses années, on a joué et on a pris de grandes pauses aussi et on revient. Et bien sûr, les fans sont encore là et ils essaient de nous voir sur Internet. Certains ont grandi avec nous, ces fans. Certains ont des enfants qu'ils amènent à nos tournées, parfois à nos concerts. C'est des gens qui étaient avec nous pendant longtemps et c'est bien de les avoir comme ça, près de nous. Je fais pareil il y a 5 ans, quand on a sorti l'album juste avant, on a demandé aux gens sur Internet de s'exprimer, de dire voilà, quelle est la chanson que vous préférez, où est-ce que ça se situe et tout ça. Et je crois que la ligne qui s'est créée entre les Cranberries et leur public, ou les gens qui viennent me voir depuis des années, y a une relation comme ça filigranique très forte qui passe à la fois par les voix traditionnelles, à la fois par d'autres voix. Et bien sûr, on peut retrouver Jacques Weber sur jacquesweber.com. Sur mon portable. On peut bien sûr se procurer le disque et l'écouter à l'aide de ses oreilles, mais on peut aussi faire bien d'autres choses avec. C'est l'hyper promo. Ça vous a plu, hein? Yeah, very good. J'aime bien ce sens de l'humour. Bien, est-ce que l'un de vous pourrait appeler un taxi, s'il vous plaît? Oui. Imaginez qu'il y a un taxi qui passe, là, il est libre. Taxi, allez. Ouais. Dolores des Cranberries, la compile Stars, c'est chez Universal, c'est chez nous, voilà. En tournée en Europe et à l'Olympia le 16 octobre. Donc, 16 octobre. Jacques Weber et Patrick Bruel, merci beaucoup d'être venus. À partir de demain au théâtre de la Madeleine, le Ligneux. Et on ira le voir. Et vous reviendrez. Et hyper à demain.